Monsieur l'informateur, vous venez de recevoir le formateur. Quel est le sens de cette rencontre? Bon, comme vous le voyez bien, je suis venu d'abord féliciter formellement Son Excellence Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge. Je l'ai déjà fait par les médias, mais je tenais à le faire de visu. Mais deuxièmement, lui remettre la copie du rapport de ma mission en tant qu'informateur. La mission, comme vous le savez, m'avait été confiée par Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, conformément à l'article 78 de notre Constitution, pour identifier la majorité au sein du Parlement. Ce travail a été fait, vous l'avez suivi, et je tenais à le remettre officiellement aussi à Son Excellence Monsieur le Premier ministre. Et sûrement, ça pourra l'aider dans le travail de la composition du gouvernement. Parce que nous sommes en démocratie, vous savez que le gouvernement s'appuie sur la majorité parlementaire. C'est vrai que la composition du gouvernement va au-delà du Parlement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que ceux qui ont des députés qui peuvent faire partie d'un gouvernement, il y a d'autres, il y a la société civile, il y a les dames, il y a les jeunes, il y a les personnes vivant avec handicap, tout cela il va apprécier, donc sa mission va au-delà de la mienne. La mienne se limite au Parlement, mais la sienne elle est plus vaste parce qu'elle concerne toutes les couches de la population congolaise. Voilà pourquoi aujourd'hui, en ce jour du 16 février 2021, j'ai tenu à lui remettre la copie de ce rapport. Et aussi maintenant, avec lui, nous allons voir comment il va procéder pour les consultations pour la composition du nouveau gouvernement. Content, pas content de ce premier ministre nommé? Parce que ça pouvait aussi être vous. Je ne peux qu'être content. Comme vous le voyez bien, d'abord, le choix du chef de l'État est indiscutable. Mais en plus, il a fait un bon choix. Il n'est pas allé chercher un chômeur. Hein. Il vient quand même de la grande entreprise, la Gécamines. Et vous savez, la rigueur dans la gestion des entreprises, c'est la gestion type privé. Et nous souhaitons et nous avons l'espoir que ce sera la même gestion du gouvernement, c'est-à-dire la rigueur dans la gestion, le travail basé sur les résultats, mais lui-même avait déjà donné aussi les axes principaux de son action gouvernementale. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il bénéficiera de notre appui et il ne peut pas en être autrement, dès lors que d'abord nous-mêmes, nous avons beaucoup de députés et donc nous devons travailler la main dans la main. Mais également, nous allons mettre notre petite expérience à sa disposition. Autant qu'il pourra en avoir besoin, eh bien, nous serons toujours disponibles à l'accompagner. Merci. Je vous remercie. Merci.